Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Re-coucou tout le monde, j'espère que ça va. Je vais rapidement vous faire un truc. Tout simplement, on va essayer de se créer un petit peu des pièges. Parce que le générateur à 100, il est un peu costaud à faire. Parce que j'ai pas le niveau nécessaire pour pouvoir le débloquer. Pour l'instant, du moins. Donc j'ai bien fait finalement de ramasser quelques petites bêtises. Parce que ça va nous aider en fait après à être un petit peu plus tranquille. Donc je vais mettre des pièges un petit peu différents. Parce que je sais qu'on va se faire attaquer dans quelques temps. Donc mettons-en plein, un peu partout. Donc c'est où mon entrée principale? Elle est là. Ouais. Donc attends. Par contre, ouais, vive le piège aussi. Hein. Vive le piège. Ouais, il va être un peu chaud le piège. Je sais pas où est-ce que tu peux mettre ce genre de piège. Moi, je l'aurais bien mis devant les entrées. Un piège comme ça. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça va tuer des personnes. Mais il est où mon truc d'électricité? D'abord, je vais faire un tour là-haut. Rapidement, histoire de voir comment ça fonctionne. Donc ça nécessite beaucoup de petites... Ouais, ça va, j'ai de quoi en fait le faire. En faire même beaucoup. Bon là, je fais juste un test, hein. Bref. Hein. Ça m'étonnerait que ça fonctionne ici, mais... C'est chiant parce que des fois, t'as envie de le mettre autre part, mais t'as pas assez de courant. Ah, dommage. Est-ce que j'ai encore un autre générateur? Ouais, j'en ai un autre ici pour les tourelles. Mais celui-là, il est petit. Quoique, je peux mettre un plus petit au pire. Attends, bouge pas, j'ai peut-être une idée. Vous allez me dire, mais comment ça t'as une idée? Vous allez voir. Vu que tout peut arriver ici. Bouge pas du tout. Attends. Je sais que eux, ils peuvent attaquer par là après. Je vais le faire comme ça, tu sais quoi. Voilà, il est bien posé là, je trouve. Donc. Pour moi, là, il est parfait. Le truc machin, c'est pareil. Je vais l'enterrer un peu en dessous. Comme ça, il y aura des décharges qui vont être tout simplement mis aux adversaires. Ça demande beaucoup de conneries, ça. Hein. Bah, on va se faire attaquer dans pas longtemps. Donc, c'est pour ça que je préconise de bien me protéger. Je suis à l'abri de rien du tout, donc mieux vaut s'abriter correctement que pas du tout. Voilà, et un dernier. Parfait. Donc là, c'est pareil, je vais leur mettre des catapultes, des conneries. Je cherche pas, j'ai vraiment... Oui, aïe, 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 je me suis presque éclaté la gueule moi-même. Donc ici, on va leur mettre quoi? Un petit piège même là, là. Attends. Ça marche bien. Donc ouais, ça fait plaisir. Par contre, est-ce que j'ai beaucoup de ressorts? Ouais, tranquille, bah tu sais quoi? Vas-y, hein. Bouge pas, parce qu'ils vont m'attaquer par là. S'ils arrivent à percer mes défenses, t'inquiète pas qu'ils vont vite se faire percer aussi le postérieur. Attends, là j'étais pile sur une bonne zone, hein, il y a 2 secondes. Donc bouge pas, faut l'aligner parfaitement. Voilà, comme ça ces petits malins, ils pourront plus nous emmerder. Parce que les synthétiques, dès qu'ils vont venir, vous allez faire, aïe aïe aïe, ils sont nombreux. Hein. Ils vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Voilà, je préfère en faire plein. Quitte à en avoir beaucoup trop même. Attends, faut que ça colle avec les autres. Ah, là, je suis en train de me faire dégager dans 2 secondes dans ma zone. Voilà, on va le mettre là. Non, on peut pas. Parce que j'ai mes trucs qui bloquent. C'est pas grave. En tout cas, j'ai déjà mis l'essentiel. Laisse-moi le temps de passer maintenant. Aïe. Je crois que je vais moi-même me faire exploser. Je vois déjà que je suis en sang.
Bah c'est déjà une bonne idée. Comment tu rames? Ah, tu rames pas comme tu veux le truc. Bref, ici, on va mettre vite fait une tourelle. Plutôt d'électricité. Le plus petit, hein, modèle. Pas s'embêter plus que ça. Donc le plus petit modèle, on va le mettre là. On va tirer un câble qui va aller là. Et bah voilà. C'est plutôt mignon comme concept. Mais il me plaît à moitié parce que j'ai pas encore complètement dit mon dernier mot. Il me plaira plus vers là. Oh merde, je l'ai mal mis. Voilà, suis-moi. Bouge pas. Là où il peut être vraiment cool, ce sera plutôt vers là. Donc attends. T'inquiète pas. Rien n'est encore complètement terminé. S'en fout un peu de l'esthétique, mais s'il m'attaque, lui vaut planquer le générateur. Voilà. On tire un autre câble. Plutôt mets le verre là. Ça, on va tirer un autre câble ici. Et voilà. Ça fait une putain de protection. Par contre, tu vois, il n'est pas droit. Donc si on le met un peu plus droit, ça va être plus joli et mieux sécurisé. Voilà, comme ça, il n'y a plus du tout de possibilité qu'il passe nous embêter après. Donc, on n'a pas encore. Merde, cette tourelle-là, on va la mettre tranquillement un peu plus devant. Ben voilà. Et après, ce ne sera pas terminé non plus. On va pas se laisser faire comme des débutants. On va bloquer l'accès ici. Et un autre accès, on va le bloquer là. Et j'ai pas envie de laisser du tout passer aucun synthétique qu'il y a dans la zone. Comme ça, ils seront tous à leur poste, les mecs. Ils vont plus du tout rigoler avec eux. Merde, ça c'est mal aligné par contre. Ouais, j'ai oublié qu'il faut vraiment bien bien aligner les conneries parce que sinon t'es un peu dans la merde. Voilà. Pour moi, là, c'est parfait. Maintenant, on va faire une petite nouveauté. Donc, derrière, est-ce que c'est bien sécurisé ou pas? Oui, faut mettre partout ces conneries-là. Là, ils peuvent sauter, je crois. Donc, il faut que je mette une tourelle déjà. Même si j'en ai mis un peu plus haut. Tourelle lourde. Ouais, c'est l'huile qui me manquait à chaque fois. Donc, ouais. Je vais m'en mettre un quand même ici. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Ça aussi, je vais en mettre une derrière, plutôt là, à l'entrée. Au cas où ça veut vraiment percer déjà mes défenses. Plutôt où je peux la mettre. Ah, il y en a déjà une là. Ouais, mets-toi une plus costaud quand même, body. Celle-là, elle est un peu moins costaud, donc du coup, je vais la faire un peu sortir à l'extérieur. Dis, je suis devenu fou de la sécurité maintenant. Donc ça, on va la mettre vraiment vers là. Et on va dire, mais tu vas nous faire quoi là? Ouais, tu verras par toi-même, hein, ça va être vraiment un truc assez chaud. Parfaitement, on va la mettre là. Comme ça, elle aura les deux en visu. Donc là, je vais mettre encore un autre truc. Je sors jamais ici, donc je m'en fous un peu. Voilà, comme ça, ici, l'accès est condamné, on va dire. J'ai même pas besoin de me faire chier, en fait, finalement, avec la toile. Parce que t'as pas besoin d'avoir autant de sorties. Voilà, ici, ça va être parfait. Comme ça, s'il y a un problème, la tourelle va défendre les arrières.
Donc lui il me plaît bien. Les pièges, ils ont l'air de bien fonctionner. C'est bien fait quand même ces histoires de pièges. Par contre là-bas, pourquoi ils sont encore debout? Faudrait vraiment que je vois ça. En bas, ça marche bien aussi ces petits robots. C'est pour ça que j'aime bien des fois revenir un peu plus tard, parce que je sais qu'il y a des mises à jour qui vont être faites. Et du coup, c'est intéressant de voir en fait que c'est plutôt cool quoi. Par contre, ça c'est une connerie d'en mettre 10. Sachant que tu peux en avoir 10 aussi. Et là, tu peux en avoir 40. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire des fois? Donc je vais prendre plutôt de la nourriture. Donc ils ont juste mis en fait un petit cube hein, en plus pour cultiver. On dirait mais cultiver quoi? Ah, tu verras en fait, c'est juste ici. Je vais en mettre deux, comme ça ça va être fait. Je peux pas trop les superposer. Si je peux. Le sol n'est pas forcément bien droit. Voilà, c'est bon. Donc faut que j'assigne quelqu'un qui fout rien. Il va où lui? Ouais, bon, laissons ça comme ça pour l'instant. Donc plus tard, je mettrai des personnes infectées à ça. Un dernier truc que je voulais mettre rapidement. C'était plutôt là, la petite cage. Attendez. Voilà, on va mettre une petite cage rapidement, plus tard, vers en bas. Donc ça, ça attire, on va dire, des espèces, certaines espèces. On peut avoir un chien, on peut avoir certaines petites conneries. Je crois que je vais prendre un feu de signalisation. Histoire de dire qu'ils peuvent se battre. On va le mettre là, non? Donc le câble, on va le fixer. Et là, je vais voir vite fait si j'appuie. Ah, ils sont tous au taquet. Par contre, ils sont pas sous, mais ah, ils en ont rien à foutre en fait. Ouais, c'est pas totalement au point. En fait, ils s'en foutent. Donc, on va l'emmener vite fait. Mais je veux plutôt le mettre là, le truc de la sirène. Non, plutôt là, attendez, c'est où déjà le truc là? C'était pas là, c'était plus vers là. Et c'était plus vers là. Ouais, je pense que je vais le mettre ici. Voilà, ça c'est bon. Donc là, je vais juste me mettre comme ça. Donc, je vais juste faire un test. Donc là, ils peuvent se battre. Là, ils se battent plus. Battez-vous. Donc voilà, c'est vert, c'est-à-dire qu'ils peuvent se battre. C'est trop fort en fait, comment ils ont fait leur connerie. Bon, moi, je vais pas m'éterniser dans cette base. Et je vais tout simplement m'enfuir et passer autre part. En tout cas, elle est bien sécurisée. C'est-à-dire, si j'ai un problème contre les synthétiques, on va être bien. Pour le moment. Un dernier truc. Ah, je m'en doutais. Parce que je voulais le cacher derrière, mais non. Ah, parce que, ouais, c'était les deux en fait. Voilà, ouais, le comme ça. Voilà, nous on s'en va d'ici. Donc c'est bien fait leur connerie quand même. Bon, maintenant on a d'autres chats à fouetter, nous. Nous on est là en mode bossage. Ça on va lui parler plus tard. Elle est où elle encore? Au collège. Merde, elle est pas au collège, elle est au poste de police elle. Où le poste de police? Il est là. Donc, de toute façon, on peut que passer par le commissariat.
Mais leur DLC là, franchement, dommage qu'il n'ait pas un peu plus complet. Avec beaucoup plus d'améliorations, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'ils se font. Ils s'embêtent pas plus que ça, parce que moi j'aurais fait quoi? J'aurais fait limite 30% du jeu supplémentaire avec un DLC. Ça aurait été plus marrant en fait. Depuis monter le truc quoi. Donc juste un instant. Il y a beaucoup d'hostilité ici. Hein. Bon putain, par contre il est où mon truc? 80. Je vais passer par là-bas, ça va être plus simple. Parce que je voulais voir comment les contourner facilement. Donc il y a des mines partout. Hein. Faut pas oublier tout ça. Je sais pas pourquoi il y a déjà une porte ici, je me souviens même plus pourquoi. Elles m'ont fait flipper à un moment donné. Ouais, par contre, ils sont mieux sécurisés que moi. Bizarrement. Eux, je peux vous dire qu'ils sont vraiment à l'aise, hein. Au cas où ils se font attaquer, ils ont un commissariat, ils sont à l'abri. Ferme ta bouche avant que je t'exécute. Bon, elle est où elle? Elle est encore dans un étage là-haut. En train de se balader. Je suis en train d'examiner un petit peu certaines choses. Oh, j'ai déjà tout vidé chez eux. Oh, c'est là-haut, Body. Hein. À moins que vous ayez envie de vous faire rire. Non, elle est là. Je conseille de rester à l'écart des goûts. Oh, le bordel que c'est. Vous êtes enfin en mesure de repartir en mission. Parce que Scribe Ellen. Vous avez l'artefact technologique? Tenez, le voici. Bien joué. Tenez, c'est amplement mérité. Je cherche toujours du matériel technologique. Revenez me voir quand vous voudrez retourner sur le terrain. Ce n'est pas possible pour le moment. Bien compris. Vous savez où me trouver quand vous serez d'attaque. Je ne sais pas trop quoi penser du scribe Neraya. Je crois qu'elle aime un peu trop sa petite... Donc là, vous avez vu, en fait, à chaque fois, c'est des missions sans fin. C'est pour ça que je les refuse maintenant qu'avant, je les acceptais, que maintenant... Ah, on a moins en moins de missions, c'est bien ça. Cool. Ça commence à se réduire là. C'est où ça? Mener l'enquête, je sais pas quoi. Oh, ils sont pas sérieux. Trouver le rail. Non, donc là on commence à se rapprocher de plus en plus. Ça c'est où ça? Tu vois, on a quasiment plus rien. Donc là, il nous reste juste parler aux habitants, continuer à suivre le chemin, comment ça s'appelle, de la liberté, mener l'enquête dans les locaux. Ça, ça se trouve où, ça? Mener l'enquête dans les locaux. Dans les locaux. Faire vite fait la carte. Mener l'enquête dans les locaux. Ah, pour moi, c'est là. Hein. Mener l'enquête dans les locaux. Tiens, j'ai encore eu un truc. Bien, bien, bien. Donc, là, il y a quelques mètres, mais ça, c'est pour descendre. Donc, qu'est-ce que tu veux que je foute? Meuler, en fait, mener une enquête, quoi. Ne laissez pas le désespoir vous envahir. Nous sommes là pour sauver le Commonwealth. Bref, on va voir après. Hein. J'aimerais bien déjà me sauver de cette zone, moi. Allez, sors de là. Comme ça, ça va être fait. Mais ça me fait un peu, ça me fait un tout petit peu de la peine de voir en fait que qu'ils te font bien tourner en rond quand même ces petits malins, hein, exprès pour faire durer le jeu. Il paraît que Lady Maxon a eu sa balle à France ce matin seul contre un écorcheur. Donc maintenant, donc écoutez les appels, donc c'est encore là. Ah ouais, tout est basé là en fait. Trouver les... Attends, il y a un problème. Non, 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 il y a un problème à chaque fois. C'est moi qui me trompe. Parce qu'à chaque fois je vais afficher sur la carte, ça m'envoie toujours le même truc. Tu vois, regarde. Non, non, il y a un problème sur mon truc, sur mon petit pod. Ah, c'est le seul truc qui est correct.
On va leur parler vite fait, eux, là. Comme ça, ça va être fait. On va s'enfuir rapidement chez eux. Mais je constate que... leur parler, c'est bien, mais je m'en fous, moi, à chaque fois, de faire une colonie, quoi. Donc là, c'est pareil, j'ai... pas trop envie d'y aller là-bas. Donc, eux, ils sont où? Plutôt vers là-bas. Donc, c'est bon, on va leur parler. Ah, j'ai beaucoup d'objectifs qui sonnent là. Bah, j'en ai combien, là? Bah, les deux, en même temps, ils sont là-bas. Donc, tant mieux. Comme ça, on en fait deux en même temps. Voilà, la station est découverte. Je pense qu'ils ont demandé de débarrasser certaines choses. Ce sont les miliciens qui vous envoient ? Bien sûr. Dites-moi juste de quoi vous avez besoin. Des pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel, et ils nous menacent quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. On sait d'où ils viennent, mais on n'est pas capable de leur résister tout seul. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de ces pillards. Tant mieux. On ne savait pas quoi faire. Bah voilà. Et encore un autre truc, il y a quelques secondes. Oui, ok, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, c'est moi qui vais le posséder. Faut que je fasse une alliance. Donc c'est avec la nana là-haut. Je savais que vous nous aideriez. Excusez-moi. Ici, il faut prendre les choses les unes après les autres. Vous avez un air dangereux, vous. J'espère que ce n'est pas à moi que vous en voulez. Je vais voler ton son en métal, hein, si tu continues. Non, plus sérieusement. Donc là, on l'a terminé. Là, il y a juste en fait à débarrasser certains ennemis. Écoutez, l'appel, il est où l'appel? Donc là, putain, mais c'est pas vrai. Il va jamais nous les afficher. Ah, certains trucs nous les mettent, mais pas tout. D'accord, trouver les rails. Donc en fait, il y a des trucs où tu te démerdes et il y a des trucs en fait où tu as tous les trucs. Mène à l'enquête. Ouais, il y a des trucs où tu te débrouilles. Hein. Méga chirurgie. C'est où ça? La carte, méga chirurgie. Je veux savoir c'est où ça. Faut juste jeter un petit coup d'œil vite fait. Méga chirurgie, c'est où leur connerie? Faut pas. Faut voir en fait ce que ça va donner. Méga chirurgie, c'est où ça? J'ai trop de trucs qu'on n'a pas exploré encore de l'autre côté, hein, je vous le dis. Hein. Un truc, ouais, il est pas affilié celui-là, je m'en doutais. Méga chirurgie. Attends, mais là, ça doit être bien blindé à mon avis aussi de trucs. Ah oui, bah oui, on n'a pas encore exploré complètement le jeu, je vous le dis. Hein. Je regarde rapidement, il y a trop de trucs qu'on a, tu vois, il y a trop de trucs qu'on n'a pas pu faire parce que j'avais pas les verrous nécessaires pour pouvoir les ouvrir. Ah ouais, il y a trop de trucs. Oh putain, ça donne le vertige tout ce qu'il y a encore à faire. Oui, aïe. Et encore le vertige. Tu vois, il y a trop de trucs. Hein. Je suis en train de regarder un peu par curiosité. Il y a tout ça qu'on n'a pas encore découvert. Vous allez voir. Donc, tu sais quoi? Là, je vais où, là? Je vais juste me appuyer ça comme ça, là. Je vais me balader vite fait. Tiens, je vais vite fait les aider. C'est pas grave, on va boire un peu de radiation, mais ça va aller vite. Comme ça, je me fais tout de suite cette zone. Voilà, c'est bon, niveau il a augmenté. Putain, mais je me suis noyé comme un pauvre con après. Ah, mais il est mal foutu le truc, hein. Tu te noies plus. Attention,
Donc c'est des mecs qui ont des lance-grenades. Ok, des lance-missiles, pardon. Comme ça, je casse tout, simplement tout ce qu'il y a ici. Elle est pas hostile, donc ça va. Encore une victoire pour la confrérie. Parce que eux, ils sont avec moi, en fait. Je peux pas rentrer dedans pour l'instant. Il est où, lui? Tu le vois, toi? Ouais, moi, je le vois maintenant. Encore les autres, ils sont où? Et en fait, là, ils sont construits sur la flotte. Lance-missile carrément. Voilà. Je le prends quand même, le sniper, histoire de voir ce que ça donne. Ah, je prends vraiment tout parce que je veux me permettre de ramasser énormément de choses. Donc là, je pense qu'on va avoir des sacrées batailles. Molos de merde, là. Il va nous foutre de la paix, ce molos. Donc là, il n'y a pas grand chose. À part, je pense, dans la maison là-bas. Donc, mieux vaut jeter un petit coup d'œil que pas du tout. Donc là, il y a des cartouches. C'est un bon point positif. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est un bon point positif de tout fouiller, c'est quoi? Visite combat. Il y a un hangar qui se fait attaquer chez moi, merde. Pas grave, ils sont capables de se débrouiller seuls pour une fois. J'étais pas au courant qu'ils avaient mis des pièges comme ça, les petits farceurs. Dossier, tiens, il y a des dossiers. Ça, c'est un plateau. Et moi, je vous dis que là, en fait, on est qu'au début. Parce qu'il faudra rentrer à l'intérieur, dans la petite sphère, là. Bon, ça, faudra le crocheter, je pense, comme par hasard. Oh lolo, ils sont vraiment forts, eux. Comment ils m'ont bien niqué ma race. Oh, les ordures. Attends. Ils m'ont bien explosé, en fait, avec toutes leurs conneries. Donc moi, je vais tout simplement aller dans leurs locaux, là-bas, là. Je vais leur montrer de quel bois on se chauffe, nous aussi. Mais je vois que là, les mecs, ils font pas dans la dentelle, hein. Là, on va ramasser rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien parce que ça m'évite de à chaque fois de faire le plein. Fusil, ça sert à rien, mais bon. Ça, c'est important, le truc de l'huile, là. Donc maintenant, c'est à l'intérieur que ça va se passer la grosse bataille. C'est obligé. C'est obligé. On peut pas échapper à ça. Donc là, je récupère peut-être des... On aura besoin des ressorts aussi plus tard. Terminal de réception, on s'en fout un peu. Pas de bruit. Chef marche en silence. Sinon, ennemi nous entend. T'inquiète pas, ennemi, il va pas nous entendre. Des fois, ils sont un peu tordus avec leur truc, hein. Donc c'est bon, ici, je suis content. Donc ça, c'est une porte avancée. Elle a failli passer ou pas? Génial. Il y a quoi dedans d'intéressant? Tournevis, laisse mourir s'il te plaît. Peut-être une petite figurine ou pas? Non, même pas. Même pas. Strong, t'es où? Hey. Récupère tous mes merdes. Il est où, lui? Récupère tous mes merdes. Voilà, comme ça je me suis un peu allégé. Donc on va monter par l'escalier. Ça va nous mener quelque part. Ok, c'est bon à savoir. Et l'ascenseur va nous mener où? Soit en bas, soit en haut.
crois qu'il descend. Je suis pas certain, mais... Pousse-toi! Ils sont chiants avec ça. Il y en a deux, je crois. Donc c'est quoi, des dossiers? Capsule, gâteau, je sais pas quoi, des lunettes. Ils te mettent vraiment des connards à terminal, je peux... Du directeur, s'en fout. Novice. Ça c'est vraiment pour les premières portes. Comment t'es dégoûté en fait si t'as pas les verrous? Tu recommences le jeu limite à zéro, quoi, à chaque fois. Parce qu'en fait, faut revenir constamment en fait chercher les trucs que t'as pas pu. Mais c'est vraiment foutage de gueule cette porte. Je débloque une porte mais qui était déjà ouverte. Si tu veux. Elle était déjà ouverte. Donc là, il y a un terminal. Donc la lampe, j'en aurais besoin. Là, il y a un terminal de quoi? Voilà. Ah, ils sont partout ces trucs. C'est quoi ces tourelles? Ah tiens, c'est un magazine ça ou pas? Et voilà. Je peux fabriquer des meubles de jardin. C'est bien ça. Document technique. Des meubles au jardin. Eh bah putain, il y en a des livres à mon avis à récupérer. En vrai, je connais pas un peu plus régulièrement, quoi. Donc là, ça va être encore fermé à mon avis, faudra ouvrir. Ce bouton ne fonctionne pas, comme par hasard. Donc là, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette zone. On a tout ce qu'il faut. Ok. Donc je suis descendu par ce petit bouton. J'allais oublier le coffre. J'allais oublier le coffre le plus important dans le jeu. Peut-être pour avoir une clé ou... Et bah dis donc, les épingles à cheveux, elles vont se faire plus en plus rares. Ah ouais, il faut en fumer deux pour en avoir... pour pouvoir après... C'est quoi ça? Je regarde vite fait. Oui, je disais, faut en détruire deux pour pouvoir avoir la troisième qui s'ouvre du premier coup, quoi. Quand même de par hasard. Donc là, il y a quoi là d'intéressant? Je crois qu'il y a un bouton actionné quelque part. Donc il y a l'eau, je pense que ça fonctionne pas, c'est normal. Ouh putain, c'est le moment de s'amuser à tirer. Ah mais c'est par balle en fait, merde. Ah vite par balle, chiotte. C'est pas le seul body, il y en avait deux je crois. La deuxième, je sais pas où elle est passée mais elle est à côté. Ah ils en ont mis partout des portes comme ça. Allez, va dormir un peu, toi. Donc là, il y a quoi en bas? Il y a rien pour moi. Je pense que ça doit être radié. On va éviter de faire n'importe quoi. Donc là, il y a une porte qui s'ouvrait pas, à mon avis, maintenant qui va s'ouvrir. Putain, il y a quoi? Il y a une armée là qui vient de sortir ou quoi? Ouais, putain, il blague pas dans le jeu là, je te jure. Donc, ventilateur. C'est quoi ça? C'est... Ah ouais, c'est vrai, les circuits imprimés. Avancer, donc je pense que là, il y aura peut-être des armes. Il dit peut-être des armes. Hein. Ah, il peut pas me donner ça. Mais y'a quoi? Eh, j'ai rentré, c'est pas pour me faire tuer. Hein. Donc là, y'a quoi, des documents techniques encore? Non, est-ce qu'on n'a pas le petit bonhomme là? Y'a que dalle en fait ici. Y'a
y a rien. Strong, tu sais que je t'aime bien ou pas? Ah, il veut pas parler. Hey. Quoi? Merde. Allez voir s'il avait quelque chose d'intéressant sur lui. Merde. Attends, Strong, hey. Échanger, enfin. Strong. Ouais, faut tout lui donner à ce malin. Donc, prends le lance-missile qui pèse énormément. Donc ça, ça a l'air de faire vraiment des dégâts contre les animaux maintenant cette fois-ci. C'est plutôt sympa. Pistolet classique, on s'en fout. De précision, il fait quand même... Ah, il fait plus de dégâts que le mien. Ah, je vais conserver plutôt le nouveau maintenant. Il fait un peu plus de dégâts. Mais il pèse un peu plus lourd. Ok, on va changer un peu la tendance après. Mais c'est pas le même calibre. Tu vois? Donc calibre 50, il fait plus de mal. Et en plus, j'en ai beaucoup plus du calibre 50. C'est pas grave. Allez, celui-là, on va le mettre juste après. Tenue, je pense qu'on s'en fout un peu. Donc ça, c'est reparti pour toute notre panoplie à chaque fois à se débarrasser comme des petits cons. Ici, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Plus tard, après, j'essaierai de me décharger de certaines armes que j'ai vraiment pas besoin de me balader avec autant de matériel. Donc là, je suis passé par là. J'ai débrouillé cette porte il y a quelques instants. Elle est où cette tourelle de merde? Putain, et la tourelle a été bien cachée. Et en plus, il y avait des trucs derrière que j'avais pas pris. Ok, poursuivons un peu par là. Je pense qu'il doit y avoir une porte que je dois ouvrir et qui doit être assez menaçante. Attends, je peux pas faire n'importe quoi, ça va être radis à mon avis. Tu vois, regarde. Donc, là on a de la viande ou je sais pas quoi, de la plaque. La viande ça va nous servir, vous allez dire, mais pourquoi ça va te servir? Putain, il y a encore une porte en bas ou quoi? Ah, il y a une porte vraiment en bas. Non. Si, si, il y a une porte vraiment en bas, les amis. Regardez. Comment tu fais pour pouvoir après... Attends. Ah, les petits malins, ils nous ont bien eu quand même cette fois-ci. Donc, il y a vraiment encore deux réservoirs à vider. Comment tu le vides encore celui-là? Faut que je trouve une pompe en fait pour le vider, mais je crois que j'ai trouvé la pompe justement. Elle est là-bas la pompe. Et elle est plus là maintenant. Ah, parce qu'il y a deux pompes en fait à actionner pour pouvoir vider ce réservoir et après peut-être passer par la porte et tuer peut-être un boss. J'en sais rien. Donc pour moi, la pompe elle est là. Et là, ça va vraiment descendre. Je vais profiter rapidement pour me déradier, prendre un spray. Il doit en rester encore un autre, non? Il doit rester encore une autre pompe. Voilà, c'est ce que je vous avais dit en fait. J'ai voulu sauter pour éviter... Et non, c'est quoi? J'ai cru que c'était encore une autre pompe. J'ai fait, putain, il y a combien de pompes, là? Donc, cette porte-là, on l'a pas ouverte. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi elle était pas ouverte, celle-là. Ok. De toute façon, tous les trucs, ils mènent au même endroit. Ok, ok, ok. Donc là, je vais passer par là pour faire descendre le dernier niveau. Et là, je suis sûr qu'il va me sortir un de ces boss. Mais c'est bien poncé quand même leur truc. Hein. Et il y a encore un autre niveau. Tu vois, il y a encore un autre niveau quelque part. Ah bah putain.
Il y a un boss quelque part. Un manier. C'est quoi ça? Il y a une toile quelque part qui s'est actionnée, non? Enfin, vite, tue-le, tue-le. Heureusement que mon arme fait beaucoup de dégâts, parce que franchement, avec ça, j'aurais été dans la merde. Quoi? C'est où qu'ils ont mis leur truc, là, leur toile, là, encore, qui gueule, là? Tu vois, ils nous ont mis encore des trucs ici. Bah là, y a rien. Si. Le dernier, il est là. Et franchement, je vais dans des trucs des fois, moi, je me pose des questions. Là, y a rien, c'est là. Parce que ça y est, c'est fini, t'as ouvert les niveaux. Pour la dernière porte. Attention de pas trop vouloir faire n'importe quoi. C'est bon. Donc là, on arrive à la fin du truc, du processus. Là, tout ce qu'ils nous envoient en fait. Hein. Donc là, il y a quoi? Capsule. Je recharge et je pense que le combat va être là. Et dis-toi bien, tout a été inondé, mais ça fonctionne. Hein. Ça, c'est vraiment bien fait, ça. Même moi, j'aurais jamais imaginé que c'était possible, ça. Ils ont bien étudié leur truc. Hein. Surface. J'ai terminé, là? Montre-moi un truc, s'il te plaît, non. J'ai du mal à croire que c'est terminé, ici. Hein. Ah, voilà, tu vois, c'est pas terminé. Ah non, ça peut pas être terminé. Donc, en fait, ça nous mène ici. Je repars, j'ai dû oublier un truc. Pour moi, il y a un truc qui a dû être oublié. Tant qu'il n'y a pas marqué terminé, pour moi, je suis pas satisfait. Il devrait peut-être y avoir une porte avec un monstre ou un boss. Mieux vaut tout examiner, sincèrement. Quitte à perdre un peu de temps. Il y a une deuxième porte au même niveau. Hein. Encore, tu vois, il y a des trucs vite fait qui apparaissent. Voilà, c'est ce que j'avais repéré. Donc là, il n'y a rien pour moi. Ah, dommage qu'ils n'ont pas mis un truc ici où tu récupères des trucs un peu... T'as vu, il y a des endroits où ils ont bien planqué certaines choses. Hein. Donc là, on n'a pas examiné ici. Moi, je crois pas vraiment quelque chose, mais... si on n'observe rien, on ne saura rien. C'est assez tordu quand même leur truc. Hein. Parce que l'objectif, il me demande de sortir par la porte, mais. Donc j'ai pas trouvé. Quelque chose, on peut rien faire. C'est juste pour ouvrir cette petite base là-bas, tu vas me faire croire. Que là on est passé, il n'y avait rien. Bizarre leur truc quand même. Vraiment chelou quoi, même pour dire. Le mot. Attends. Carte. Je sais quoi, j'ai refait vite fait le circuit à l'envers. Ouais, je suis têtu moi dans les jeux vidéo comme ça. Je suis très têtu. Je pense passer par là-haut. Me casser la gueule, ça c'était pas dans mon programme, mais maintenant que c'est fait. Hein. On en apprend des choses. Je veux passer par là aussi également. Par là. Donc ici je suis passé par là-haut. Si j'ai loupé quelque chose derrière, ça peut être très très chiant. Ça m'étonnerait pas que j'ai dû louper un truc, un détail. Donc l'ascenseur mène toujours au même endroit. Le coffre on l'a examiné ici. Je suis passé aussi de ce côté-là.
par cette porte. T'allais t'en prendre une, mais c'est pas grave, hein. Faisons comme si de rien n'était. Et je vais remonter à la surface par cet ascenseur-là, je m'en fous. Sans cette grosse fesse-là. Je veux pas de toi dans l'ascenseur. Donc là, il y a que dalle. On l'avait ouvert. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Cette porte-là, c'est la sortie, je crois. Voilà. Je regarde si ça monte pas, en fait, par hasard. Parce qu'il y a un truc que j'ai dû zapper vite fait. Tu vois, on n'a pas fait le toit. Et peut-être sur le toit, il y a un boss ou je sais pas. Et c'est comme ça qu'il y aura marqué terminé dans cette zone. Ouais, tout est possible, hein. Le toit, on l'a pas encore exploré. Et généralement, c'est quoi qu'il y a, il y a beaucoup de choses à chaque fois à faire. C'est quoi ça? Novice, expert. Les épingles à cheveux, j'en ai marre. Ah, les idées qu'ils ont, eux. Fourchette, c'est ça. Grenade. Ouais, merci pour tout le bordel. Ce qui lui arrive à ce con. Genre, il a sa jambe qui lui pose un grand problème. Donc pour moi, il n'y a pas grand chose à faire ici. Je suis arrivé par là. La trappe, elle est là. Je fais rien sur le toit en fait. Drôle de mission, c'est ici. Hein. Autant que t'as pas débloqué peut-être une mission à proprement dit, tu peux pas aller plus loin. Parce que là, pour moi, il n'y a plus rien. On va le pirater vite fait celui-là. Pour voir ce que ça donne. Ah, novice ou pas novice, hein. Je galère. Oh merde. Je galère toujours de la même manière. Coup de bol ou pas coup de bol, hein. Donc on... Non, c'est toujours pas terminé. J'espère que ça peut être les tourelles, ce truc. Je suis pas sûr. Passe par là. Non. Eh ben. Ça, c'est pour débloquer, quoi. Donc là, c'est pas terminé encore. On dirait, mais body, qu'est-ce que tu fous? Génial. Bah, je trouve du premier coup les mots de passe, non? Ah, commande de coffre-fort. Activer le verrouillage. Laisse-moi rire, s'il te plaît. Donc, il y a un coffre-fort quelque part. Des fois, il peut y en avoir deux. Hein. Non, j'exagère, mais c'est presque ça. Tu sais, le gros gourmand, quoi. Et hop, là, tu sautes ici. Ça m'évite de reprendre l'ascenseur bêtement. Et là, il n'y avait plus rien à faire. À moins que tu veux examiner ici. Chose qu'on a déjà fait. Bon, voilà. Sinon, je trouve qu'il n'y avait pas, y a pas grand-chose à faire. Donc maintenant, le seul endroit où on peut peut-être partir, c'est un peu plus haut. Mais sinon, on a un petit peu exploré le truc et... Il n'y a pas grand-chose. Bon, il n'y a que le signal de détresse qu'on peut trouver, mais ça... Je les calcule pas pour l'instant. Donc voilà les amis, je pense qu'on va se laisser là pour l'instant. On a un petit peu avancé. Donc sur la carte, je me trouve juste ici. Donc c'est toujours les mêmes réservoirs. Donc là, il y a le réservoir ici terminé. Celui-là, on l'a pas terminé. Donc si j'avance sur la route, on va découvrir plein de maisons. D'accord? Ça va nous mener même un petit peu partout. Donc on va un petit peu se balader tranquillement et on verra bien ce que ça donne. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Gros bisous.